On effectue des veilles au niveau de la rivière du Loup, entre autres en lien avec l'ouverture au niveau du barrage du lac Morin. Il y a des communications avec le ministère de l'Environnement, comme il se fait dans les autres printemps. Donc, il y a ces ouvertures-là qui nous ont avisés. Alors, on a aussi des mesures qu'on peut avoir aux 15 minutes. Des débits de la rivière du Loup. On a aussi des mesures qu'on fait près de l'usine d'épuration des eaux. On vérifie le niveau. Et donc, on a informé aussi la sécurité civile donc de ces démarches-là là, avec la ville, le ministère de l'Environnement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'eau s'est remise à baisser donc mercredi. On prévoyait aussi d'autres ouvertures au niveau du barrage du lac Morin. Donc, il y a constamment des discussions là-dessus. Et on a fait aussi une distribution de billets de feuilles d'information, un petit feuillet d'information au niveau de certains résidents de Rivière-du-Loup, entre autres dans le secteur du parc Mayou, pour donner des directives si l'eau monte et si les gens ont quitté leur propriété. Alors on suit ça de près comme les autres années. Alors le niveau est élevé et ce qu'on espère, c'est que la fonte va se faire plus progressive et qu'on ne connaîtra pas les débordements.